c'est la deuxième partie de la vidéo, du vlog. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire. Donc pour la deuxième partie, nous sommes, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre et la miniature, nous sommes aux Caraïbes. Est-ce que c'est beau là où on est? Alors là, nous nous dirigeons vers le centre historique de Carcagem, inspiré de la culture espagnole, de l'architecture espagnole, et on va vous montrer ça de suite. Pause! J'interromps la vidéo pour vous dire qu'au moment où on a tourné ce vlog à Carthagène, on n'était pas au courant qu'un an avant qu'on arrive, Will Smith était venu ici avec le réalisateur Ang Lee et toute son équipe pour tourner plusieurs scènes de Gemini Man. Voilà, c'est la petite anecdote bien sympathique qu'on pouvait caler dans ce vlog. En attendant, on espère que ce vlog vous plaît. Lâchez un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, le vlog reprend maintenant. On est où? Je sais pas. On est parti ce matin à 4h30. On a pris un bus pendant 4h et on est arrivé ici, à Santa Marta. Il fait 34 degrés et en France il fait 12 degrés. Autant dire qu'il fait chaud. Ouais. Bah montre-lui Chloé. Mais là elle a trop chaud, elle a la flemme là. On vient de quitter Santa Marta et là on est à Minca, un tout petit village, et on va partir à pied pour remonter dans les montagnes. Et bien évidemment, on va essayer de vous montrer ça. Tiens, on va l'enregistrer pour Alice, il va faire une petite musique. Le bruit que vous entendez, c'est pas un bruit rajouté au montage. Il y a vraiment ce bruit là, je ne sais pas ce que c'est. On est dans une jungle. Enfin, on n'est pas encore dans la jungle parce qu'il y aurait une partie dans la jungle. C'est... Est-ce que vous pensez que si quelqu'un crie, ils vont s'arrêter? Ouais. Bienvenidos a las cascaras de Marinka. Je veux dire, c'est écrit.
Mais non, mais les ondes, ça faut parler espagnol. Je suis le caméraman de l'extrême. Grâce à la GoPro, je vais vous montrer la cascade. Papa, il y a un tellement de ouais. Je vois pas mes pieds. Bah en fait, oui, j'ai le hockey. Depuis tout à l'heure, j'essaie de me faire peur, mais ça ne marche pas, je l'ai encore. Où allons-nous? À la cava et les mêmes. Elemento. La casa. Elemento. Ça descend super vite. En plus, c'est même pas casa, c'est casa. Casa, oui. Antoine, Antoine, genre quand on t'a doublé, on le voit sur la vidéo. Et la vidéo, genre il m'a filmé, du coup le gars il a été déconcentré, il s'est boum. Il s'est pris une bosse. Merci Sébastien. Mais qui là tu vois, tu manges en face de cette vue. Tu prends ton petit kebab en face de cette vue. Nous sommes arrivés à la Casa Elemento et c'est ici que nous allons dormir en face d'une vue à couper le souffle. Ta-ta-ta-ta. Les Bretons en Colombie. Oui, alors franchement, elle est contente. Antoine, quel est ton petit déjeuner? Alors, on a ici de la pastèque, des ananas, on connaît ces produits. Ça, c'est quoi ça? C'est de la mangue. Oh, de la mangue, parfait. Des petites fraises et bien évidemment l'incontournable melon. Et toi, c'est quoi ça? Alors, moi, j'ai deux tartines et trois œufs. Antoine, t'as expliqué le phénomène de la gravité? Me faire joli plan, ça veut dire on s'échange la GoPro. Nous arrivons à Taganga.
mangrove. Alors on ne sait pas du tout ce que c'est, mais c'est une surprise. Surprise que vous allez découvrir au prochain plan. Effectivement, ils se sont pas loupés. Dans le tunnel d'El Chago. C'était un Africain qui a défendu les esclaves qui avaient été importés ici par les Espagnols et les Portugais. Et du coup, pour honorer sa mémoire, ils ont appelé le tunnel à son nom.